Ce qui me paraît important, c'est que tu n'arrêtes pas le mouvement de tes bras à droite quand tu joues. Quand tu termines, qu'il n'y ait pas d'arrêt, que tout soit enchaîné. Hein. On essaye une fois en enchaînant les mouvements. Tu as remarqué que quand tu enchaînes, tu presses un peu, tu joues plus vite, le fait d'enchaîner. Donc il faut jouer calmement. C'est pour ça qu'il y a un tempo qui est noté, qui est de 55, je crois, quelque chose comme ça, pour ne pas jouer trop vite. Tu peux le refaire sans presser, donc. Ok, et il faudrait essayer qu'il n'y ait pas de bruit quand tu changes de corde. Quand on essaie de camoufler. En même temps, rester près des cordes et en même temps cacher les petits bruits parasites qu'il peut y avoir. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas arrêter. Les mouvements. Une autre idée importante, c'est que tu retournes vraiment à l'extrême talon et essayer d'aller à l'extrême pointe. Utiliser toute la longueur de l'archet pour avoir une gestique plus ample qu'on utilise dans un jeu normal. Donc, pour que tu commences, fais peut-être un geste de préparation, plus comme ça. Voilà, même si l'exercice est pour la main gauche, mais on peut s'aider du bras droit, évidemment.